La mort de François Mitterrand le 8 janvier 1996 n'était pas en soi un événement politique. Depuis son départ de l'Élysée, son rôle était terminé. Il ne lui restait plus, selon sa propre expression, qu'à mener un combat honorable contre la maladie qui le minait depuis 1981. Mettant en scène sa propre sortie, avec à l'appui une confession à la télévision et une remise en ordre de son passé par publication interposée, François Mitterrand avait été le scénariste de sa postérité, ou comment y entrer de son vivant. Le compte à rebours des étapes successives fut parfait. Mise en ordre public de sa vie privée et révélation de l'existence de Mazarine, réécriture de sa trajectoire historique à Vichy, cérémonie des adieux politiques, organisation des funérailles, choix du moment de sa mort et arrêt du traitement médical. Tout cela allait permettre à François Mitterrand, metteur en scène méticuleux de son existence et de sa carrière, de réussir sa mort, comme jamais sans doute il n'avait réussi sa vie. Mais la construction cérémonielle voulue par l'ancien président allait faire long feu. Au lendemain des obsèques, Libération, à la une, publie une grande photographie de l'homme déchu par la maladie, l'autopsie d'un mensonge. Deux jours après la mort de François Mitterrand, Le Monde avait déjà révélé que le président de la République était atteint d'un cancer depuis le début de son premier septennat. Le lendemain, on apprenait qu'il avait choisi d'arrêter son traitement et que le déroulement des cérémonies avait été entièrement préparé. La majorité des articles subit dans les journaux un rapide glissement. Ces révélations successives, ce déplacement de l'événement, affectent fortement le ton des articles jusqu'à l'imagerie. Aux icônes des premiers jours, celles du Mitterrand conquérant ou gouvernant, empruntées au passé de l'action politique, se substituent les images les plus crues de l'homme malade. Mais c'est le 17 que la bombe déposée par le docteur Gubler, avec la publication de son livre Le Grand Secret, révèle que le cancer de François Mitterrand a été considéré de 1981 à 1992 comme un secret d'État, et qu'à partir de novembre 1994, le président n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions. Dès l'annonce de la disparition de François Mitterrand, s'ouvrit la grande foire aux hommages de tous bords. Le moment de la mort est devenu celui de l'absolution. Comme au théâtre, quand le rideau tombe et qu'il faut bien se résoudre à mettre fin à l'illusion, on voit les bons et les méchants, les amis et les ennemis, main dans la main, enfin réconciliés, venir saluer le public sous les ovations. Souvent, ils se dépouillent sous nos yeux de leurs masques. Soulagement, tout cela n'était qu'un conte destiné à nous distraire. Cet homme que nous n'avons cessé de combattre, nous pouvons bien vous le révéler maintenant. Nous n'avons cessé de l'admirer en secret. Mieux que cela, de l'aimer. On l'a bien vu, Le Figaro parut plus endeuillé que l'Humanité, et le message de Chirac plus chaleureux que celui de Jospin. L'allocution du président de la République, empreinte de respect pour l'homme d'État et d'admiration pour l'homme privé, qu'aucune réserve ne venait tempérer, donna d'emblée à l'événement un caractère de célébration nationale en des termes surprenants. Ma situation est singulière, car j'ai été l'adversaire du président François Mitterrand. Mais j'ai été aussi son premier ministre. Et je suis aujourd'hui son successeur. Tout cela tisse un lien particulier où il entre du respect pour l'homme d'État et de l'admiration pour l'homme privé. Jacques Chirac terminait son discours en déclarant : À l'heure où François Mitterrand entre dans l'histoire, je souhaite que nous méditions son message. Hommage qui contrastait singulièrement avec celui de François Mitterrand, qui s'exprimait ainsi 4 jours après l'annonce du décès de Georges Pompidou. Je ne puis me défaire d'une certaine pitié pour ce mort, oublié avant d'être enseveli. Que laissera-t-il à la mémoire de son temps? Rien ou si peu. La France pense déjà à autre chose. Oubliez cette quasi-profanation de la mémoire de Pompidou en plein deuil. Jacques Chirac, chef du Parti gaulliste et ancien proche de Pompidou, nous invitait à méditer le message mitterrandien. À 18 ans, François Mitterrand s'était amusé à se soumettre au questionnaire de Proust. À la question « Ce que vous voudriez être ?», il répondait déjà « Tout ou rien ».
La promesse d'une totale transparence faisait partie des 110 propositions du candidat à l'élection présidentielle et s'inscrivait dans une démarche de rupture avec les gouvernements précédents. Impressionné par la fin pitoyable de Georges Pompidou, François Mitterrand prit dès son arrivée à l'Élysée au printemps 1981 l'engagement de faire publier chaque semestre un bulletin de santé qui dirait clairement aux Français l'état du corps du chef de l'État. Il paraît qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui sont malades. Et j'ai l'impression que beaucoup voudraient m'ajouter à la liste. Mais je reconnais qu'il m'arrive d'éternuer et que l'autre jour, après avoir fait des gestes inconsidérés, une occupation tout à fait louable, caractère sportif, je me suis un peu tordu une vertèbre. Au-delà, je ferai connaître tous les 6 mois, par un bulletin officiel, l'état de ma santé. Cette obligation morale, François Mitterrand l'a violée dès la première année par le plus grand mensonge d'État de son double septennat. Des décennies de dissimulation, de fausses nouvelles, là même où l'on avait annoncé la transparence. Le docteur Gubler écrit « François Mitterrand a voulu faire croire que la publication régulière de bulletins de santé avait une vertu politique. Or, ce système ne rime à rien. C'est une tromperie, une fausse bonne idée qui s'est retournée contre lui avec une rapidité qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Il l'a reconnu devant moi. Quelle erreur! La médecine avait été prise au piège, dévoyée de son rôle, au profit de l'intérêt politique. Je n'ai été qu'un pion qu'on manipule. » La République mitterrandienne s'installe dans le mensonge d'État. Avec son patient, le docteur Gubler signera 22 bulletins de santé mensongers jusqu'à ce que la maladie soit officiellement reconnue. La nature même des révélations du médecin personnel du président ont brutalement mis à nu les lacunes professionnelles et l'aptitude à la dissimulation des journalistes, des hommes politiques et du corps médical. Une étude reste à faire sur les conditions dans lesquelles des informations explosives ont pu passer pour des rumeurs sans fondement, relevant de la désinformation, et sur les conditions dans lesquelles les médias ont abandonné le sujet. Un journaliste écrivit « En vérité, le président dispose sans interruption depuis 14 ans de la presse la plus docile, révérencieuse, disciplinée jusqu'au mutisme, qui puisse se trouver dans le monde depuis la disparition de la Pravda. » En novembre 81, 6 mois après l'élection de François Mitterrand, l'hebdomadaire Paris Match divulgue, en évitant soigneusement le mot « cancer », à quels examens médicaux le nouveau président avait dû se soumettre au Val-de-Grâce. Seul François, sous le titre « La rumeur », reprend les informations de son confrère, provoquant un démenti de l'Élysée. C'était des informations qui étaient strictement confidentielles au Val-de-Grâce et qui ne pouvaient être fournies que par le service de santé des armées. Quand je dis le service de santé des armées, c'est parce que je ne sais pas qui est-ce. Ce que je sais, c'est que c'est sorti de cet hôpital. Bon, personne s'en est d'ailleurs préoccupé de savoir d'où ça venait, comment ça venait, mais on ne rentre pas dans un hôpital militaire chercher des documents si on ne fait pas partie des services, ce n'est pas possible. C'est très intéressant de voir ce que disait la presse à l'époque, en 81. Moi, je l'ai lu comme vous et je me place là du côté du lecteur de match. Je vois une voiture entrer au Val-de-Grâce et puis je vois tout un article à l'intérieur qui laissait penser qu'il y avait une maladie grave. Et après, c'est le blackout. Donc pourquoi, ça vous interrogez les journalistes d'investigation. Encore une fois, moi je suis extrêmement favorable et je défendrai bec et ongle le secret médical, autant le journaliste d'investigation doit faire son boulot. Et il doit dire ce qu'il pense, et s'il y a des informations qu'il croit utile de divulguer, qu'il les divulgue. S'il veut les masquer, s'il veut faire des rétentions d'informations, qu'il le fasse. Mais qu'il ne vienne pas nous dire qu'il ne savait rien. Certains ont décidé de ne pas parler. Pourquoi y a-t-il eu cette espèce de chape de plomb, si je puis dire, ou... Non, ce n'est pas une chape de plomb, parce que chape de plomb voudrait dire qu'on pourrait le soulever. Il y a plutôt cette, non plus désinvolture, mais cette espèce de balayage, si je puis dire. On a éjecté le problème. Il y avait, c'est vrai, en 1981 et début 82, dans le Paris médical, des rumeurs, mais des rumeurs, sans plus. Et ces rumeurs se sont éteintes. Mais il y a eu des rumeurs, c'est vrai.
Dès le lendemain de la visite au Val-de-Grâce, les résultats des examens, cancer disséminé, sont remis au docteur Gubler. Le président les réclame, mais je n'ose pas les sortir de ma poche. Ce n'est pas facile d'avoir à dire certaines choses au chef de l'État. Je lui fais comprendre qu'il a un cancer, mais le mot n'est pas prononcé. Je lui propose une liste de grands patrons en urologie et, après hésitation, il a arrêté son choix sur le professeur Stegg. Je vais voir Stegg à Cochin et, après lui avoir demandé la plus grande discrétion, je lui décris la situation. Rendez-vous est pris à l'Élysée. Nous arrivons à 20h. François Mitterrand nous reçoit dans ses appartements privés. Nous allons dans la salle de bain. Stegg l'examine, puis, pendant que le président se rhabille, il fait une grimace et me confie à mi-voix. Tout est normal, mais il n'y a aucun doute, les localisations osseuses sont d'origine prostatique. Que lui dire? Nous nous interrogeons. J'ai les mains moites, la gorge nouée par une émotion grandissante. Blême, nous rejoignons le président dans la salle de bain. Il est assis sur une chaise près de la porte qui mène à sa chambre, tassé sur lui-même. Stegg lui dit « Mon devoir est de ne pas vous cacher la vérité. Vous avez un cancer de la prostate qui est diffusé dans vos os et cette diffusion est importante. » Le président murmure « Je suis foutu. » Stegg lui répond « On ne peut pas dire ça, voyons. On ne peut jamais dire qu'on est foutu. » Le président l'interrompt « Arrêtez vos salades, je suis foutu. » La scène est extrêmement dure, pénible. Le visage du président est devenu gris. Il baisse la tête et ne dit plus rien. L'évocation du mot cancer que nous venons de lui jeter le conduit-il à ce constat cruel. Je viens d'être élu et je vais mourir. Enfin, toujours silencieux, il se lève de sa chaise et nous raccompagne. Comme deux fantômes, Stegg et moi tournons en rond sur les pavés dans l'obscurité. Je pose à Stegg la question qui m'obsède. Combien de temps? Si on ne parvient pas à enrayer, quelques mois. De toute façon, murmure Stegg, la moyenne de survie, c'est 3 ans, sauf cas rarissime. Quelques jours après les révélations du docteur Gubler, une journaliste de l'événement du jeudi met en doute son récit et révèle que François Mitterrand avait été soigné dès 1978 à Lyon. 3 ans plus tard, il ne pouvait s'agir que d'une récidive de la maladie. Le professeur Stegg n'aurait donc examiné qu'une prostate déjà irradiée des années auparavant. Mais aucun autre média ne reprit l'information. François Mitterrand contribue au brouillage des pistes en instrumentalisant informations et rumeurs. À l'allure où ça va, j'avais promis un bulletin de santé une fois tous les 6 mois, je m'aperçois qu'il va falloir que j'en fournisse un tous les 6 jours. Restons, soyons raisonnables. Bulletin de santé tous les 6 mois, bon, c'est déjà un rythme accéléré par rapport à mes prédécesseurs. Il s'est retrouvé, et ça on en avait plusieurs fois discuté ensemble, il s'est retrouvé, m'a-t-il dit, piégé. Piégé parce que, on peut avoir tous les soupçons du monde, tous les ragots du monde, tant que ce n'est pas dit, on est dans le bruit de couloir. Des questions ont pu se poser sur ces bulletins, questions qui étaient, fallait-il arrêter de les faire, fallait-il... Ces questions ont été résolues par lui-même en disant, jusqu'au bout, ça sera fait. Bah, vous savez, les médecins peuvent, comme les avocats, comme les juges, comme les n'importe qui, peuvent faire défaut. Moi, je ne suis pas favorable. Je suis même tout à fait opposé à ce genre de manipulation. On ne doit pas, quand on décide de donner son état de santé, on ne doit pas se reposer sur un faux et un faux signé par un médecin pour le crédibiliser. Donc, c'est monstrueux, en fait, c'est monstrueux de faire ça. Entre le non-dit et le mensonge, il y a un pas important. Et on a le droit de ne pas dire. Je crois que là, ça fait partie de la première des libertés humaines. On a le droit de ne pas dire. Au fur et à mesure que le torrent de l'éloge gonflait, il devenait de plus en plus clair que l'hommage ne s'adressait pas à une politique, mais à une personne. Ce qu'approuvent les Français, ce sont les images de la vie privée, la présence de Mazarine et de sa mère aux obsèques, aux côtés de l'épouse légitime, le roman familial.
l'hebdomadaire VSD en donne une illustration. Il titre « Sans lui », non sur un bilan politique. Ce n'est pas le bilan politique de son double septennat qui est approuvé, c'est le Mitterrand dont l'intimité est tombée dans le domaine public qui déclenche la vague de sympathie. C'est une autre image qui est ici recherchée, qui relève de la presse People. La popularité posthume de François Mitterrand n'est précisément possible que parce que le personnage est passé de la rubrique politique à la rubrique vie privée. Son histoire personnelle l'a emporté aux yeux des Français sur son histoire politique. L'intérêt manifesté par les Français pour la révélation tardive des petits et grands secrets de cette vie de cour au palais de l'Élysée s'apparente à l'intérêt porté par quantité de gens à la vie des cours européennes. De longue date déjà, on avait pris l'habitude de le désigner comme le roi. Le mot était passé du ton ironique au registre soutenu, avec une note d'emphase respectueuse. La France, ce pays régicide, a toujours lorgné avec attendrissement vers les familles royales voisines. Sous François Mitterrand Ier comme sous François Mitterrand II, il y a en effet une vie de cour avec ses favoris et ses chutes, ses élus et ses suicidés. Le reste avait suivi, châteaux, courtisans, privilèges, maîtresses. Personne en ce pays républicain n'avait protesté contre ce retour mi-parodique, mi-nostalgique de l'ancien régime. Tout, dans le cas de François Mitterrand, écrit Paul Lyonnais, invitait à l'histoire comparée. La façon dont Mazarine avait été publiquement exhibée et l'importance qu'elle avait soudain prise, y compris dans la succession testamentaire, n'était pas sans évoquer les faveurs dont le vieux roi Louis XIV, notamment, avait fait bénéficier ses bâtards. Ernest Lavisse note dans son Histoire de France, Louis XIV peut attendre des enfants de mères différentes, entremêler les naissances, fonder trois familles, les faire vivre ensemble publiquement. La reine, qui fut mise par lui à un dur régime, se fâcha plus d'une fois, fit des scènes de ménage, pleura, mais s'accoutuma. Il fallut bien qu'elle tolérât le voisinage des maîtresses et qu'elle reconnût leurs enfants pour des princes enfants du roi, après qu'ils lui avaient été présentés comme tels. C'était un rare désordre, amené tout autre que lui aux galères en cette vie et en enfer par-delà. Ce qui se joue au palais de l'Élysée, c'est un vaudeville républicain, avec ses histoires parallèles et ses acteurs qui ne doivent jamais se rencontrer ensemble sous peine de confusion et de cris. Comme dans les pièces du boulevard le plus bourgeois, il se termine par un happy end et une réconciliation générale, mais sur un cercueil. Qui dois-je avertir? Que dois-je dire? La réponse du président tombe comme un couperet. Rien. Qui peut m'aider dans votre entourage familial? Personne. C'est du théâtre, de la tragédie. Je me retrouve terriblement seul. Je suis pris au piège, plongé dans un mensonge dont je ne sortirai que 15 ans plus tard. Le malade a décidé de mentir, d'abord à lui-même, ce qui est humain, ensuite aux autres, puisqu'il m'annonce en décembre, au moment où je dois rédiger le deuxième bulletin de santé, « De toute façon, on ne peut rien révéler. C'est un secret d'État. » Et il ajoute, pour que tout soit bien clair entre nous, « Vous êtes liés par ce secret. » Il avait fait son choix, sans la moindre hésitation. Officiellement, François Mitterrand ne souffre que de rhumatisme et le docteur Gubler ne le soigne que pour cela. Le médecin se retrouve donc seul avec son mensonge et François Mitterrand avec son cancer. Mentir est un art que Mitterrand, on l'a vu, pratique volontiers. Il est normal que la presse s'intéresse à la santé du président de la République. À partir d'un certain moment, les choses durant, il n'était plus possible de s'en tenir à la seule explication d'un lombago. J'ai donc fait procéder aux analyses, aux examens, avec toutes les règles de l'art médical, afin que toutes les hypothèses soient recouvertes, y compris les hypothèses qui auraient pu se conclure par un verdict. Mais Gubler est aussi un virtuose en la matière, un croisé du mensonge d'État. Dans un entretien au quotidien de Paris fin 81, il explique ainsi les problèmes physiques du chef de l'État. Une gêne liée peut-être à la reprise du sport un peu rapide. Un traitement médical approprié permet une guérison très rapide des symptômes et je crois que vous en avez vu les résultats puisque le président de la République marche très très bien et qu'il peut tenir des heures debout. J'ai dû donner un certain nombre d'informations nuancées, même quelquefois plus que nuancées, sur les points qui m'étaient soulevés par les journalistes. Avec son patient, le docteur Gubler abusera désormais le pays.
Au terme des 6 premiers mois, écrit-il dans le communiqué qu'il signe après la découverte de la maladie, le président de la République présente un état de santé tout à fait satisfaisant dans tous les domaines. Il a été pratiqué tout un bilan pour ne laisser aucune zone d'ombre. Le président le souhaitait, ça a été fait et les conclusions sont parfaitement satisfaisantes. Il ne m'est jamais arrivé, depuis que j'ai l'âge adulte, d'avoir affaire pour des choses sérieuses à la médecine. Ni pour des problèmes cardiaques, ni pour des problèmes de maladies malignes, je veux dire pour des cancers. La classe politique, tout le monde s'en est l'a accepté, a accepté ses démentis. Pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi cette connivence, si je puis dire, ou connivence, pourquoi cette acceptation? Pourquoi personne n'a fouillé, fouiné, etc. En 1992, Jacques Attali soumet au président les épreuves de verbatim, chronique de l'Élysée au quotidien. Claude Gubler écrira: le président a bel et bien censuré son conseiller spécial. Dans le manuscrit de verbatim, Jacques Attali avait écrit « Le président me dit qu'il a un cancer et qu'il est condamné. » Quelques jours plus tard, Attali écrivait encore « Le président me dit « Les médecins sont des imbéciles, ils se sont trompés, je n'ai pas de cancer. » Or, les deux citations n'ont pas été publiées. Le président les avait fait disparaître. Il met le président en fureur, là c'est un petit peu petit. Ça c'était les modalités, il est toujours furieux. D'accord, on va changer le thème. Mais vous vous souvenez de cette histoire? Je suis attendu, mais la fureur, c'est d'accord. De trop, moi. D'accord. Je n'approuve pas, c'est tout. D'accord. Le président a clairement tranché en faveur. D'accord. Mais je vais nuancer. Un bémol sur ces choses. D'accord. Je vais me prendre pour un dangereux maniaque. Hein? Comment est-ce qu'on dit maniaco-dépressif? Hein? Maniaco-obsessionnel. 1489. Le président lui a demandé de supprimer certains paragraphes qui n'avaient pas d'importance à ses yeux. Ce qui permet le maintien du secret sur le véritable état de santé du président, c'est qu'une quinzaine de personnes seulement a été mise dans la confidence. Ses médecins, bien sûr, et ses alliés du premier cercle. Pendant 10 ans, une organisation quasi clandestine a veillé sur la santé du président. En même temps, la très lente évolution de la maladie et l'absence de nouveaux symptômes finissent, semble-t-il, par persuader Mitterrand que ce cancer a disparu. Les médecins qui le soignent estiment prodigieux qu'il ait survécu jusqu'en 88, et c'est avec stupeur qu'ils apprennent sa décision de se représenter pour un second mandat. Mitterrand, dans la toute-puissance du patient qui a vaincu sa maladie, estime qu'il est le seul candidat capable de gagner. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République ? Oui. Vous avez mûrement réfléchi? Je le crois. Steg estimait qu'avoir survécu jusqu'en 1988 était déjà miraculeux. Nous pensions tous les deux, pourvu qu'il ne se représente pas. La retraite du président était synonyme de retour à la paix, alors que continuer, c'était l'enfer. On doit croire que pour savoir s'il était capable de diriger le pays pour une nouvelle période de 7 ans, François Mitterrand a consulté ceux qui le soignaient. Or, il ne m'a jamais rien demandé. Et il n'a pas interrogé Steg. Il a persévéré dans le mensonge, à l'abri de ses bulletins de santé semestriels. En 1988, confiera plus tard François Mitterrand à Franz-Olivier Gisbert, je me disais qu'il ne fallait pas me représenter. Et puis, je n'ai pas résisté à l'attrait du pouvoir, l'attrait de la facilité. Je me disais, je les battrai. En 1995, François Mitterrand avait fait l'acquisition pour la somme symbolique d'un franc d'une parcelle au sommet du mont Beuvray, prise sur le domaine public. Daniel et lui l'avaient choisi pour lieu de leur sépulture commune. Il est permis d'y voir un peu plus qu'une manifestation d'orgueilleuse solitude, l'esquisse d'un culte unissant la dévotion à sa personne disparue. Certes, fidèle à ses habitudes d'ambiguïté, François Mitterrand n'entendait rien instituer de précis, mais seulement suggérer. Un culte est possible, eût-il dit volontiers. L'annonce des doubles funérailles à Notre-Dame et à Jarnac eut un parfum de retour à la normale, induit en quelque sorte par la mention elliptique laissée par le défunt, une messe est possible. Tout le mystère des funérailles de François Mitterrand, cet abandon final au pouvoir de l'Église, tient dans cette formule, une messe est possible.
car le défunt, en entretenant sa propre énigme, est inclassable. Il faut se souvenir que la cérémonie à Notre-Dame a commencé au moment précis où le fourgon mortuaire arrivait à Jarnac. Au lieu d'une messe possible, nous eûmes deux messes réelles. Le défunt avait lui-même, à la page 3 de son testament, décrit minutieusement les lieux où l'on pourrait désormais se retrouver pour évoquer son souvenir, choisissant les stations et disant les règles fondamentales qui organisaient une sorte de culte maraboutique autour de sa dépouille. Il ne craint pas, à la fin de sa vie, de multiplier les phrases à double entente, appliquant cette stratégie de l'ambiguïté qui lui avait si bien réussi dans celle de la politique. Ainsi de son dernier message de Nouvel An. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Une telle phrase, qui ne manqua pas de stupéfier quelques observateurs, tolère à la rigueur une interprétation profane, à savoir la permanence de son message politique au-delà de sa mort. S'il ne s'était agi que de cela, il se serait contenté de souhaiter que les Français restent fidèles à un tel message. Mais non, c'est lui qui leur demeurerait proche grâce à une présence supranaturelle. Du reste, il n'avait pas dit « je crois à la force des idées », mais bien « je crois aux forces de l'esprit » que l'on peut écrire à sa guise avec ou sans majuscule. Comment ne pas se rappeler le Christ prenant congé de ses disciples ? Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Simple coïncidence ? C'est peu probable de la part d'un lecteur assidu de la Bible. Mais il y a plus. La dernière parole de François Mitterrand, rapportée par le docteur Tarot, qui l'assistait dans ses derniers moments, était à nouveau une parole proprement christique. Comme celui-ci l'avisait que de l'avis du corps médical, il n'y aurait pas de nouvelle rémission, il répond « Peu importe, tout est accompli. » « Tout est consommé, dit le Christ sur la croix. » Si stupéfiant que cela paraisse, le dernier Mitterrand a suggéré un parallèle entre son agonie, admirablement maîtrisée, et la passion du Christ. Quelques jours après l'enterrement, dont l'ancien président avait été l'ordonnateur, avec les deux messes, les deux églises, les deux veuves, à chaque fois l'institutionnelle et la privée, l'éditorialiste de François pouvait écrire « Nous avions un saint parmi nous et nous ne le savions pas. » Le docteur Gubler rapporte cette remarque faite par le propre beau-frère du président, l'acteur Roger Hanin. Depuis son arrivée au pouvoir, plus personne ne touchait François Mitterrand. Dieu était de ce briquet ironique, mais l'était-il totalement pour ses fidèles, dont l'avaient affublé les médias. La célébration authentiquement religieuse des obsèques de François Mitterrand avait eu lieu la veille à la Bastille. Les quelques 30 000 personnes qui se réunirent le 10 janvier 1996 entre 18 et 21 heures pour chanter le temps des cerises et célébrer le vainqueur du 10 mai 1981 ne constituaient pas la foule des grands jours, celle des funérailles de Victor Hugo ou du général de Gaulle. Ce n'est pas l'océan qui déferle comme en mai 1981, juste un flux silencieux. Pour 30 francs, on peut acheter une rose rouge, pour 10 francs, un petit lumignon. Ces bougies malingres s'agglutinent au pied de la tribune. La France a franchi le chemin qui sépare les ténèbres de la lumière, déclarait Jack Lang au soir du 10 mai 81, place de la Bastille. Ce soir, il distribue les mots historiques. S'il pouvait nous parler, François Mitterrand nous dirait « Oui, pleurez, c'est normal en ce genre de circonstances, mais remettez-vous au travail avec enthousiasme et volonté. » En 1990, on le sait maintenant par le docteur Gubler, François Mitterrand a voulu démissionner. À la mi-juin, je vois le président pour préparer le rituel bulletin. À mon grand étonnement, il suggère de dévoiler une partie de la vérité et m'annonce « Il se peut qu'au mois d'août, je décide de partir. Dans cette hypothèse, il faut que vous prépariez le terrain à propos de ma santé. » Les bras m'en tombent. Je propose au président un texte dans lequel j'insiste sur un état de santé clinique et quelques examens biologiques, histoire d'attirer l'attention des médias. En clair, ce communiqué laisse entendre que le président est très fatigué pour une cause encore indéterminée et qu'on va procéder à des examens. Cette nouveauté ne devrait pas manquer d'alerter l'opinion et créer ainsi une interrogation qui recevrait sa réponse, soit avec la révélation du cancer et sa conséquence, la démission, soit que tout est normal et qu'il ne s'est agi que d'une fausse alerte. Ainsi, les choses seront plus claires, m'avait-il dit. Je remets le communiqué au porte-parole de l'Élysée, Hubert Védrine, qui, après l'avoir lu, se précipite chez Jean-Louis Bianco, secrétaire de la présidence, lequel appelle Michel Charras
pour qu'ils viennent les rejoindre. Ils sont affolés. Ce n'est pas possible de publier cela. C'est une bombe. Le président me relance. Il est mécontent. Je suis bien obligé de lui avouer que ses conseillers ne veulent absolument pas que ce communiqué sorte. Il hurle. C'est moi qui commande. Charas semble le plus au courant de la situation. C'est une merde épouvantable. Je vais essayer de rattraper le coup. Charas racontera plus tard à Gisbert, le communiqué était déjà au service de presse. Je remonte chez le président et lui dis, vous savez ce que vous êtes en train de faire? La réponse est cinglante. De quoi vous mêlez-vous? Ça ne vous regarde pas. À quoi Charas rétorque vertement, je ne serais pas complice de cette connerie. Et il commente pour Gisbert, si je n'avais pas rencontré Gubler, le communiqué serait parti et on aurait été dans une belle mouise. Michel Charas me rassure, écrit Claude Gubler. J'ai tout arrangé, tout va bien, aucune inquiétude. Finalement, Bianco, Védrine et Charas bloquent le bulletin de santé qui ne sera jamais publié dans les termes convenus. Que s'était-il passé? Jamais personne ne me l'a expliqué. Michel Charas avait un poids énorme, énorme, pour rentrer pratiquement n'importe où. C'était l'éminence grise de François Mitterrand. Donc, lui seul connaît la réponse et celle qu'il a écrite n'est pas la bonne. Michel Charas donne une explication qui fait rire tout le monde, enfin, qui fait rire tout le monde. Je crois, je le cite, dit-il, il avait un petit passage un peu dépressif, mélancolique, et il ne voulait plus continuer. Je cite Michel Charas, hein. Bon, enfin, on rigole, tout le monde rigole derrière lui. Le président de la République, le président de la République François Mitterrand, aurait ce type de comportement. Mais il veut faire rire Michel Charas. Il veut faire rire tout le monde. La mort de François Mitterrand, c'est le terme du roman de sa vie. Car c'est bien la narration empruntée au genre romanesque qui semble le cadre littéraire choisi. La parole de François Mitterrand est un des ressorts essentiels de ce processus d'écriture qui crée un personnage. Le président s'exprime, ce qui l'entoure note ou retient ses paroles. Paroles rapportées, ce que le président m'a dit, paroles intimistes livrées sur le ton de la confidence. Mitterrand bâtit ainsi un système fondé sur la croyance. Endossant le rôle du Pygmalion, il élit son journaliste hors de la sphère des intimes et des amis politiques et choisit d'admettre Laure Adler, Franz-Olivier Gisbert ou Georges-Marc Benamou dans les différents cercles de son existence. Ces journalistes, qui ne cachent pas leur ambition littéraire, confessent tous une relation de fascination envers le héros de leur récit. François Mitterrand participe à la création d'un genre nouveau, fondé sur l'exhibition et la représentation de l'intimité. Ces récits nous placent ainsi d'emblée dans la dimension d'une fiction construite, mettent en scène paroles mitterrandiennes sur la fin annoncée et récits des autres sur la maladie, suscitant une véritable mise en abîme de la mort de Mitterrand. Le docteur Gubler écrit « François Mitterrand est passionné par la mort, l'au-delà, toute chose qu'il ne comprend pas. Ce problème le dépasse. Voit-on la mort arriver? Se produit-il quelque chose? Est-on lucide jusqu'au bout? Ou bien la nature nous protège-t-elle en permettant qu'on passe de l'autre côté sans s'en apercevoir? » Il posait beaucoup de questions sur la mort. Il s'interrogeait sur l'après et surtout sur le passage. Il y avait un film qu'il avait énormément aimé, c'était Carrington. Et il racontait qu'il avait été fasciné par le passage du poète qui meurt dans son lit et qui, au moment où il va mourir, dit « Ah, ce n'est que ça ». Et ça avait fasciné, effectivement, François Mitterrand. François Mitterrand n'a cessé de visiter les cimetières, soit pour se recueillir sur la tombe d'un ami, soit plus simplement pour s'imprégner de l'esprit du lieu. On imagine mal choisissant l'incinération. De l'importance qu'il attachait au rite funéraire, rite de passage, le soin minutieux avec lequel il a fixé l'ordonnance de son enterrement, allant jusqu'à choisir la couleur des fleurs qui devaient accompagner son cercueil.
C'est là que sont morts mon grand-père, ma grand-mère. C'était leur chambre. Ça, c'était le salle à manger. C'est là qu'est morte ma mère, ici. Ma mère est morte d'une maladie de cœur. C'était dans la salle à manger. Le centre originel de la maison, c'était ça. Puisque ça, c'était la chambre de mes parents, et c'est là que mon père est mort, ici. Comme ma mère, ils sont restés très longtemps malades avant de mourir. Et mon père, déjà frappé à mort, il avait gardé toute sa vie. Tu sais. Et mon père est mort d'un cancer. Le président va opposer à la maladie une tenace fin de non-recevoir. Il n'acceptera de la révéler qu'après sa première opération en 1992. Je ne pouvais pas être assez ignorant pour ne pas savoir que dans ce genre de maladie, ça arrivait une fois sur deux. En fait, peut-être pas une fois sur deux, mais très souvent. Et vous êtes en forme? Vous sentez bien? Ce sera à vous d'apprécier. Ce sont des lésions cancéreuses? Ah oui, indiscutablement. L'adénocarcinome est le cancer de la prostate. Le président avait indiqué quelle maladie il avait. On avait parlé plusieurs fois dans des interviews longues. Nous n'étions plus dans une situation, je dirais, effectivement, du malade tout à fait privé, de la personne privée, malade, qui se confie à un médecin, et ce médecin ayant une obligation du secret professionnel le plus absolu. Nous étions dans une donne différente. Et là, c'est vrai que M. Mitterrand avait joué probablement un peu sur les deux tableaux, en homme public et en homme privé. Si je pouvais vous dire juste un petit mot, c'est pour les médecins, nous avons aussi une déontologie, je crois qu'il faut savoir la respecter un peu, c'est très difficile pour nous, je sais que c'est le chef de l'État, mais un médecin avant tout est lié par le secret médical, vous le savez, et ça nous rend cette position intenable quelquefois. Dans ce cas-là, on n'a plus affaire forcément à la règle, je dirais, du secret professionnel absolu, puisqu'on n'a plus affaire à une personne complètement privée. Entre 1992 et 1996, pas moins de 7 médecins se pressent autour de François Mitterrand, parfois simultanément. Commencent autour de lui le ballet des médecins et la sarabande des médecines, lutte, feutrée ou directe, entre traitements de pointe et recettes de bonne femme. François Mitterrand est un homme rationnel en politique qui, face à sa maladie, fait appel à la médecine de brousse et cherche des sorciers. C'est dans l'univers des médecines de cour et des médecines de potentat que nous sommes tout à coup replongés. Je savais qu'il y avait plusieurs médecins qui étaient à son côté, qu'il y avait aussi une succession de médecins, des médecins français, des médecins étrangers. Et je lui avais dit, lorsque je l'avais pris en charge, je lui avais répété qu'on ne pouvait pas réellement faire au mieux si le malade lui-même jouait de différentes stratégies. Et je lui avais dit, sur le ton de l'humour, c'est peut-être comme ça que l'on peut faire dans certains cas en politique, mais en médecine, ça ne marche pas. Le président, écrit Claude Gubler, utilisait les individus les uns après les autres. À l'automne 1994, l'entourage médical de François Mitterrand s'entre-déchire. Il y a une absence totale de cohérence et de déontologie. C'est chacun pour soi. Le président affectionne ce genre de situation. Chaque jour, ou presque, un nouveau conflit éclate. Le ton devient insupportable. Dans une lettre qu'il envoie à son confrère, un des médecins écrit « Consterné par ce qui se passe, il ne m'est plus possible de cautionner par ma présence votre dérive thérapeutique. Prenez garde à ce qu'elle ne soit pas très vite assimilée à de la non-assistance à personne en danger. » On est en plein délire. Du matériel médical entre secrètement à l'Élysée. Les appareils qui repartent quelques heures plus tard dans une voiture banalisée sont cachés sous des couvertures. Nous nous étions retrouvés avec plusieurs de ces médecins chez lui-même. Il voulait nous voir et nous avions discuté des différentes options, ce qui se fait souvent. Et l'un d'entre nous avait une option assez radicale et avec laquelle je n'étais pas tout à fait d'accord et je l'avais traité gentiment de stalinien. Je lui ai dit « Vous êtes stalinien ». Je ne me suis jamais opposé, jamais. J'ai pu me retirer, mais je ne me suis jamais opposé à ce qu'un patient voit, parce qu'il le veut,
un marabout, un mage, fasse appel à des médecines autres que la médecine allopathique, je peux me retirer en disant je ne cautionne pas ce type de... Mais je respecte l'acte fait. Je n'ai pas été vexé, personne d'entre nous n'a été vexé, de se dire qu'un malade aille voir un autre médecin, puis un autre médecin, puis quelquefois des charlatans, des rebouteux, des kinésies, tout ce que vous voulez, pour essayer de lire dans les astres, quelquefois, quel sera son avenir, pour essayer de se raccrocher. Nous n'avons aucune propriété des malades. Les malades sont libres de choisir le médecin qu'ils veulent, et s'ils en veulent plusieurs, ils peuvent le faire. C'est vrai que ce n'est pas facile quand il y a plusieurs médecins au chevet d'un même malade, mais il savait très bien le gérer. Ainsi en va-t-il des médecins. La mise à l'écart du docteur Gubler a été suivie d'une noria de thérapeutes qui attend encore son Molière. Que cherchaient ces médecins auprès du prince? Qu'en faisait un homme qui les divisait, comme il avait su autrefois de façon homologue, diviser ce qu'on aurait pu croire ses amis, les socialistes? Vous savez, je ne suis pas invalide. Qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai à accomplir ma tâche, la tâche pour laquelle les Français m'ont élu. Dis-moi, c'est à ma portée, et même davantage, je l'espère. Bon, ensuite, j'aurai des préoccupations de caractère privé. L'essentiel, c'est que je puisse parvenir au terme de mon mandat. Et la question ne semble pas posée. En novembre 1994, j'estimais que François Mitterrand n'était plus capable d'assumer ses fonctions. Son programme quotidien se déroulait dans son lit. Il arrivait le matin à l'Élysée vers 9h30-10h et se recouchait jusqu'à l'heure du déjeuner. Il se faisait porter les journaux et recevait de rares collaborateurs. Comme j'étais encore l'un de ceux qui avaient accès à sa chambre, certains conseillers me confiaient un dossier pour le lui soumettre, et il est arrivé qu'il me le jette littéralement à la figure. Les parapheurs qu'on lui faisait passer restaient sans signature. Le chef du protocole s'arrachait les cheveux. François Mitterrand a même reçu un chef d'État couché dans son lit. Certains jours, il n'avait pas un seul rendez-vous. Il ne travaillait plus car rien ne l'intéressait, sauf sa maladie. Certains ministres me prenaient par le bras pour me dire en aparté « Savez-vous qu'on lui a installé un nouveau fauteuil au Conseil des ministres? C'est pour son dos. Il a des métastases. » Chaque mercredi se déroulaient des conciliabules toujours sur le même thème. Tiendra-t-il jusqu'au bout? Ne sera-t-il pas contraint de démissionner? En coulisses, on vient le voir, on s'installe dans un fauteuil à côté de lui, on lui parle. Il est allongé, en chemise de nuit, somnolent, répond ou ne répond pas. Il dort parfois, fait comprendre à l'importun qu'il l'ennuie. Seule variante, le mercredi, jour où il s'habille, à cause du Conseil des ministres. C'est vrai qu'à la suite du décès de M. Mitterrand, j'avais rencontré et j'avais reçu des lettres d'un certain nombre d'anciens responsables, premiers ministres ou de présidents du Conseil constitutionnel, sur ce sujet, qui se posaient des questions. Incapacité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est incapable quand on devient fou, quand on n'arrive plus à prendre des décisions parce qu'on devient fou. Ce n'était pas le cas. Le vrai problème est, y aura-t-il un jour un président qui aura une déchéance neurologique, comme on le voit chez les gens assez âgés, qui ne lui permettrait plus d'assurer sa charge? C'est ça le vrai débat. Or, nous n'avons pas en France, et dans aucun pays au monde, il n'existe de procédure qui permette qu'un président puisse être, je dirais, destitué si l'on voyait qu'il était véritablement malade. Je pense que ça reste encore un tabou sur lequel on ne bouge pas, on ne touche pas, auquel on ne touche pas. Qui va aujourd'hui dire on démet le président de la République? Personne. Je crois qu'il n'y a pas de règles et on aimerait, en tant que citoyen, savoir comment les choses se passent. Vous m'avez demandé des nouvelles de ma santé, je vous remercie. On est toujours sensible à cela. D'ailleurs, vous voyez comme la façon de se rencontrer des Français la plus commune, la plus habituelle. Ça va, ça va. Ça va, ça va. À partir de décembre 1995, il évoque désormais couramment sa fin imminente dans des propos dont la presse fait l'écho. Désormais, je compte en jours. Ou encore, le 23 décembre, dans un mois, je ne serai plus là. En réitérant publiquement ses interrogations sur le destin des mortels,
François Mitterrand met délibérément l'art de mourir au cœur de l'élaboration de son personnage public. Je me trouve devant des échéances qui ont un rapport avec la sincérité. François Mitterrand dévoile dès lors publiquement sa souffrance, accepte l'impudeur des journalistes, expose son corps abîmé, vieilli, calciné par les traitements. Adieu les coquetteries. Il n'a plus besoin de jouer la comédie. Il souffre publiquement, nomme l'ennemi qui le mine lentement, montre la mort au travail. Il meurt à la télévision. Est-ce que vous souffrez encore aujourd'hui, j'ai envie de dire chaque jour ? Oh, ça ne me regarde pas, ça. Ça ne me regarde pas. Le malade s'abandonne. La guérison devient l'affaire des autres, du médecin, de l'entourage. Chaque bulletin de santé est un rappel à l'humilité. L'accent mis sur tel ou tel organe marque le début du dépècement. Brusquement, ses organes les plus intimes sont objets d'informations et de commentaires. Le voilà, ce puissant, soumis aux caprices de son cœur, de son intestin, de sa vessie, sous le regard de la foule. C'est ainsi que meurt François Mitterrand, non en roi médiéval, mais en souverain, avec l'exposition de son corps qui se dégrade et de sa souffrance qui s'avoue. Son agonie au ralenti a quelque chose d'imparable. Du grand secret, Daniel Mitterrand utilise une procédure rare pour obtenir la saisie du livre, le référé. On ne publie pas sans risque un document qui fait du président un homme qui n'était plus en état de gouverner à la fin de son règne. Maître Georges Kijman rompt ainsi avec une tradition établie par François Mitterrand lui-même, ne jamais engager de procédure contre un article ou un livre. En dehors de quelques écrits racistes ou négationnistes, l'interdiction totale d'un livre est rarissime et viole un principe, celui de la liberté d'expression. Le livre qui s'est vendu à 40 000 exemplaires en une journée est interdit de vente. La présidente du tribunal est Jacqueline Cochard, qui connaît bien le couple Mitterrand. Elle a été longtemps leur voisine de campagne dans le sud-ouest, à Osgore. L'appel formé par l'auteur et son éditeur va permettre à l'affaire d'être jugée une seconde fois. Le magistrat est cette fois Myriam Ezrati, présidente de la cour d'appel de Paris. Et belle-sœur de Claude Estier, compagnon de route de Mitterrand depuis les années 60. L'interdiction de la vente du livre est maintenue. Que reste-t-il de François Mitterrand ? La parcelle du Mont Beuvray a été rendue au parc régional du Morvan et l'appartement de l'avenue Le Play restitué à l'État. 13 000 cartons s'alignent aux archives nationales sur 1,5 km de rayonnage. Sans doute une poignée de secrets d'État dorment-ils dans ces dossiers muets. Mais l'essentiel est ailleurs dans quelques mémoires muselées. Mitterrand est mort, mais ceux qui savent ne parlent pas. Car François Mitterrand a écrit chaque ligne du scénario des derniers mois, donnant à chacun une fonction, un cahier des charges, un morceau de testament. Ils vont se disputer des morceaux de la vraie croix, promettait un ancien collaborateur de François Mitterrand. Mazarine, qui avait été désignée dans le testament pour veiller sur les droits moraux de toute son œuvre, écrite ou audiovisuelle, film, cassette vidéo, mais aussi sur son image, devint la gardienne officielle de la mémoire de son père. Parlant du modèle de vie de François Mitterrand, elle assurait « L'étude de sa vie peut être un instrument de liberté pour les hommes ».